sortez de nos grottes là. Hein. Barbus, chevelus. Vivement que les coiffeurs ils ouvrent hein, quand même. Ouais. Mais heureusement qu'on est restés tous ensemble parce que sinon on serait sortis de notre grotte sans savoir comment parler aux gens. Avec un niveau de sociabilité très faible. Il y en a qui ont osé se couper les cheveux chez eux, qui ont osé demander à leur partenaire de leur couper les cheveux. Perso, j'ai pas osé parce que franchement, j'étais pas sûr du résultat. C'est pas moi qui ai coupé mes cheveux, ça veut dire quoi ça? Il est vilain. Par contre, pour te faire ton smoothie du petit-déj, tu veux bien que je te le fasse, hein? Ouais, complet. Bon, chacun ses talents, j'avoue que je ne couperai pas les cheveux du riz. Coucou, coucou, au secours les cheveux, oui. Les poils en général, peut-être même. Oh, les poils, ça va, on sait les arracher comme des grands quand même. N'est-ce pas? T'as souffert la dernière fois, hein? Franchement, la séance d'épilation était encore plus dure que la séance fessier d'aujourd'hui qui vous attend, je crois. Ça demande un mental d'acier, hein, se faire épiler. Hein. Surtout autour des tétons, t'aimais pas trop. Hein. Ah, c'est, j'ai l'impression que le téton, il va partir avec. Ouais, Yuri, il fait le malin sur les squats sautés, mais regardez-le se faire épiler les tétons, vous verrez. On raconte bien des conneries dès le lundi matin. Bon, ça va, vous avez passé un bon dimanche? Ouais, je crois bien. Je crois bien. Donc aujourd'hui, jour 49. Donc la séance d'aujourd'hui, c'est serre les fesses. Ouais. C'est le cas de le dire, ça va être une séance 100% fessier. Ouais. Prépare mentalement ton popotin à chauffer. À chauffer, ouais. Parce que tu vas vraiment avoir le feu aux fesses. Et après, on poursuivra la séance avec une méditation guidée. Ça sera Alban qui la guidera sur le pouvoir de l'instant présent. Ouais. Je pense qu'on fera sur le même live. On coupera pas. Pour vivre un jour à la fois. Et à Virginie, apparemment, ses enfants et son mari lui ont demandé de leur couper les cheveux, mais elle a refusé. Ah. C'est bien, c'est comme ça qu'on construit une bonne relation avec ses proches. Ouais, parce qu'après... qu'on reste en bonne relation, je veux dire. Et il y a Caroline qui veut un smoothie. Bah, si tu veux, Caroline, je te l'envoie volontiers. On t'enverra la recette. Nous, on se lève avec ça là, tous les matins là, depuis un petit moment. Ouais. C'est notre potion magique. C'est notre potion magique du matin. C'est la druidesse qui s'en occupe. Non, on fait plein de vitamines, de protéines et c'est vrai que ça booste vraiment énergétiquement. Et puis en plus, vu qu'on fait la séance de sport de suite derrière, au niveau digestif, ça passe très vite. Ouais, c'est mieux. Peut-être qu'on leur donnera la recette. Peut-être, peut-être. Ça fait trop plaisir de voir qui est connecté. On reconnaît plein de monde maintenant. Merci beaucoup d'être toujours avec nous pour la 8e semaine. On n'en revient pas qu'on soit toujours ensemble comme ça. Franchement, on va bientôt fêter nos 50 jours. Nos moisiversaires ensemble, tu sais. Nous, on fête nos moisiversaires tous les deux, mais on va pouvoir les fêter avec vous aussi. Merci d'ailleurs d'avoir participé à la création du planning de cette semaine. Merci de nous avoir suggéré vos thèmes, d'ailleurs, qu'on a mis sur le planning. Vous avez voté cette semaine tous les thèmes qu'on va aborder. Donc c'est vraiment cool parce que du coup, on a vraiment l'impression que c'est des séances participatives, collaboratives, où tout le monde exprime ses besoins, ses envies. Et, ça nous permet, comme dit Yuri, justement de vraiment répondre à vos besoins parce qu'au bout d'un moment, proposer, c'est bien, mais écouter, c'est mieux. Ouais, complètement. J'ai encore une petite chose à dire. Merci encore pour la cagnotte. Vous êtes 130, je crois. 137, je crois. 137. Non, je sais plus. Je sais pas, mais c'est juste impressionnant. On n'a pas toutes vos adresses mail. On en a besoin parce qu'on veut vous envoyer un petit mot personnel de remerciement. Ça nous tient vraiment à cœur. Donc vous pouvez nous l'envoyer sur mon... Non, on a mis l'adresse de Positive Experience ou par Messenger. Par Messenger, le plus simple pour vous. Le plus simple pour vous, faites-nous signe avec votre nom et puis aussi qui a participé dans votre tribu, enfin dans votre foyer, parce que vous êtes souvent en famille, en couple, tout ça. Donc voilà, on voudrait vos prénoms et c'est pour vous remercier. Et cette semaine, restez connectés qu'on va devoir vous demander beaucoup de choses. Ouais. Sur le groupe. On va peut-être créer ensemble la suite de l'aventure. Ouais, donc c'est parti, on va s'échauffer, on vous laisse mettre en place. Aujourd'hui, on reste sur le tapis pour les fessiers. Voilà. Ok, on commence par les poignets. Ouais. On va chauffer nos poignets comme ceci parce qu'on va être pas mal à quatre pattes ce matin. Donc ce matin, vous allez être des quadrupèdes. Hein. On va se déplacer comme les bébés. Si vous avez un chat ou un chien,
Ils risquent de vous regarder bizarrement aujourd'hui. Voilà, on échauffe bien les avant-bras au passage, ça fait un petit peu des étirements. Tu peux bouger en même temps, tu peux faire la vague chez toi. Alors c'est une vague un peu carrée, mais ça marche. Vas-y, je vais voir si je te passe, attends bien, je te passe la vague. On dirait un poulpe, attends. Vas-y, je te la redonne. Vas-y, donne-moi. Ah, elles arrivent que dans un sens. On dirait deux poulpes en train de se trémousser dans leur salon. C'est un peu tentaculaire, ouais. N'empêche, nous, on a des super tentacules de héros maintenant. Des tentacules de Rambo. D'ailleurs, après la séance, on vous demandera à chacun combien de séances vous avez fait. Ouais, si vous avez réussi à compter déjà. Il y en a qui ont fait 100% des séances, hein, c'est incroyable. Ouais, on le sait parce que certains d'entre vous nous l'ont dit. Allez, tourne un peu tes poignets en mode flamenco. Est-ce que vous entendez la musique là? Pas sûr, hein, on fait un peu le volume après. Allez, danse tes poignets. C'est pas très conventionnel, hein, ça, comme échauffement. Non, on n'est pas très conventionnel comme coach, je crois. Les autres coachs, ils doivent nous prendre pour des fous, d'ailleurs. Allez, super, on relâche. On va se mettre à quatre pattes. On va se mettre de profil pour que vous voyez bien. Et on va faire le chat. Donc, on est ici, donc les bras bien sous les épaules. On va venir faire un dos rond en rentrant bien le ventre. En rentrant bien la tête entre les épaules, on pousse sur ses paumes de main, en expirant, tout son air. Et on expire doucement, on va venir pousser les fesses en arrière, légèrement cambrer le dos et relever la tête. On récupère un maximum d'air, et on repart sur le dos rond, on va faire ça 4 fois. Ça, de beau matin, ça fait tellement du bien. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué votre chat quand il se réveille d'une sieste ou de sa nuit de sommeil. En fait, c'est la première chose qu'il fait. Il fait le dos rond, il s'étire. Et... pas patte avant, pas patte arrière. Voilà, on devrait prendre des fois exemple sur eux parce que s'il fait ça, c'est pour une raison. Hein. Bon, enfin, par contre, pour la toilette, je garde mon mode de fonctionnement. En fait. Avec tous les poils qu'on a en ce moment. On va installer une litière dans le salon. Ça sera plus écologique, hein. On videra la litière en fin de semaine. Enfin bon, je ne vois pas avoir une litière dans le salon, quoi. Bah, une litière à taille humaine, tu vois. Ça revient aux toilettes sèches, en fait, non? Voilà. Allez, encore un dernier. Oh, ça fait du bien. Vous avez vu, ça, c'est tout doux, mais ça échauffe, ça mobilise. Le bassin, la tête, les épaules, le dos. Ok, tu peux relâcher. On va se mettre sur les genoux pour le prochain. Voilà. Donc, on s'assoit bien sur les talons. On peut mettre les bras ici devant et on va venir relever les fesses, pousser le bassin en avant en serrant les fessiers et les abdos et on revient se rasseoir. Et on le fait dynamique. Boum. Allez, un peu plus rapide. On échauffe les cuisses. Celui-là, il m'a valu des courbatures la semaine dernière. Ouais, il a pas l'air comme ça, mais il est mortel au niveau des cuisses. À condition que tu ne te penches pas en avant, si tu gardes bien les épaules en arrière un maximum, ça met du poids en fait sur tes cuisses. Mets du poids sur tes cuisses. Et commence à serrer les fessiers une fois en haut. L'échauffement fessier commence ici les amis, hein. Ici et maintenant. Dans l'instant présent. Thank you.
Allez, encore. Alors, la particularité de la séance aujourd'hui, c'est que vous allez avoir quasiment pas de récupération. On vous le dit maintenant que vous êtes lancé, hein. Vous ne pouvez plus faire marche arrière. Pour être à fond sur les fessiers, allez chercher une fatigue musculaire maximale, une congestion des fesses maximale. À la fin de la séance, on va avoir les fesses à Kardashian. Oh non, peut-être pas quand même, on ne pourra plus rentrer dans la litière, Yuri. Allez, encore un dernier. Bien, super. Yes. Vous êtes prêts? Alors. Allez, je monte les exercices. Allez, Yuri. Et tu expliques. Les exercices. Donc. Je me mets de profil. Les amis. Comme ça, il me voit bien. Allez, petit chat ce matin. Donc, on va commencer avec la jambe gauche ou droite? Pour la jambe droite. Alors là, vous allez venir vous mettre en quadrupédie. Donc l'option, si vous avez trop mal au poignet, option sur les coudes possible. Mais on serre bien le ventre. Dans tous les cas, je viens lever la jambe, le genou, sur le côté. Voilà, je garde l'angle de ma jambe. Et la contraction, pardon, se passe sur l'extérieur de la fesse. Voilà, et quand tu es sur les mains, serre bien les abdos et ne te laisse pas pencher complètement sur le côté. Au contraire, serre fort le ventre pour tenir la posture bien comme il faut. Donc là, il y aura 30 secondes de ce mouvement-là. Tout de suite, on enchaîne avec le deuxième. Je plie et je tends. Mais quel fessier! Je plie, je tends, je souffle en nez. On voit entièrement dans le cadre. Oui, on te voit bien. Et là, attention, je fais en sorte de contracter ma fesse une fois en haut. C'est pas passif, c'est moi qui viens de contracter ma fesse. Voilà, parfait. Et le dernier, j'enchaîne encore 30 secondes sur, cette fois-ci, je pousse, je mets mon pied vers le plafond et je fais comme si je voulais soulever le plafond. C'est vraiment la fesse qui fait monter le pied et non pas le pied qui fait monter la fesse. Voilà. Donc vous avez vu, ça fait 1 minute 30 sur une seule jambe. Ensuite, on passera à l'autre jambe et nous viendrons entre chaque faire des squats complets. Alors, je me mets bien ici. Bon, ma tête, elle est coupée, mais vous inquiétez pas, je l'ai toujours, hein. Voilà, et là je descends le plus bas possible, comme si j'allais me mettre accroupi. Donc c'est pas une obligation de descendre le plus bas possible, ça dépend de tes genoux, de tes hanches, de plein de choses. Mais voilà, si tu peux aller à ton maximum, ce sera déjà parfait. C'est le principal. Et je souffle à la montée. Vous avez vu, ce matin c'est quand même lent et contrôlé, c'est pas cardio, c'est pour ça qu'on n'a pas de récupération. On va chercher l'endurance du muscle. 100% fessier. 100% fessier. Mouvement contrôlé. Est-ce que vous êtes prêts? On va y aller? Est-ce qu'on commencerait pas par le petit squat, hein? Si. On commence par le squat, les amis. Le squat complet. Et après, on enchaînera directement tous sur la jambe gauche. C'est parti! Allez, on part dans 10 secondes. Allez, le corps de la séance commence tous ensemble pour nos fessiers. Et n'oubliez pas, serrer les fesses. Ils n'ont pas le choix, là. Ça ne va pas complètement. Allez, go! Les fesses bien en arrière, le poids du corps sur les talons, les genoux très ouverts. On essaye de garder le dos droit et on veut que vous descendez le plus bas possible. Si vous arrivez à faire presque toucher vos fesses par terre, c'est l'idéal, vraiment l'idéal. Mais restez pas coincé en bas. Allez. Super. Allez, tout de suite, on enchaîne avec la jambe gauche. Non, pas tout de suite. Sinon, ça fera pas un temps complet. On laisse 30 secondes de pause après les squats. C'est vraiment pour être tip top niveau timing. Allez, donc prépare ta posture. Donc il y a quelque chose d'important, il ne faut pas que les genoux ils soient serrés. Les genoux, il faut qu'ils soient vraiment alignés avec les hanches. Sinon, vous allez être déséquilibré lors du mouvement. Et on commence par le genou gauche. Comme ça, on fait tous le même. Je pars dans 3 secondes. Allez, c'est go. Parti. Donc il y a option, donc bras tendus, soit option sur les avant-bras. Pour ceux qui ont mal au poignet, d'accord? Dans tous les cas, tu serres tes abdos au maximum. Et vous vous rappelez, celle-là, c'est le chien qui... Voilà. On va arrêter de parler de litière et de pipi. Vous avez compris ce mouvement. De quoi il est inspiré? En fait, que ça marche bien, hein, quand on dit qu'il faut s'inspirer des animaux. Alors, sans récupération, rappelez-vous, maintenant on va faire extension de la jambe en arrière. Je plie.
et je tends. Donc je ramène le genou poitrine et je viens tendre la jambe au maximum en arrière, en serrant les fessiers. Ça commence déjà à chauffer dans la je vous montre de profil, comme tout à l'heure. Comme ça, vous avez vu une vue en 2D. Et là, aujourd'hui, on travaille ses fessiers en 3D. Ouais. Allez, contractez bien le fessier en fin de mouvement. Ça va même être de la haute dimension. Hop, on plie la jambe à 90 degrés. Allez, tu prends et on remonte bien le talon. Bien haut. Des petits touts. Par contre, le genou, il reste haut. Il reste aligné avec les hanches. Tiens ton ventre pour pas cambrer le dos. On veut pas avoir de coudrin. Allez. Ça doit chauffer le popotin, ça. Oh, donc, serre bien les fesses. Ça brûle. Allez, petit mouvement de talon vers le haut. Et préparez-vous, dans 3 secondes, on change de jambe. Allez, c'est parti, on passe sur la droite. Genou côté. Et là, tu te rends compte qu'en fait, les deux fesses travaillent. Celle qui est au sol et celle qui monte. Et n'oublie pas, le genou qui est à terre doit être vraiment aligné sous ta hanche. Donc pense à bien l'ouvrir vers l'extérieur aussi. Sinon, tu risques d'être déséquilibré sur ce type de mouvement. Et ouvre le plus haut possible. S'il y en a qui ont des lestes chez eux, vous pouvez les mettre sur vos chevilles. Attention, on part. Extension de jambes en arrière. Allez, c'est parti. Ah non, j'ai rencontré un canapé là. Les joies du sport de salon. Allez. Vous avez vu, ça travaille aussi un petit peu les bras et les épaules pour ceux qui ont les bras tendus. C'est normal, puisqu'on a le corps qui en appuie quand même sur les épaules. Allez, extension bien en arrière. Si vous voulez, vous pouvez donner du rythme. Hein. Vous pouvez aller un peu plus vite si vous êtes chaud. Sinon, contrôlez. Attention, jambes à 90, je mets sur le côté. Allez. Oh la vache. Allez, c'est vraiment un tout petit mouvement à faible amplitude, mais avec une contraction maximale du fessier. Allez, tiens bon. Allez, pousse le plafond. Serre tes abdos. 3, 2, 1. Et rapide, on se remet en squat. Allez, squat complet. Tu te récupères après. Et la récupération, elle viendra après les squats, pour pas que vous perdiez une seule seconde sur les mouvements au sol. Allez, on donne un peu plus de rythme si vous voulez. Yuri, il est chaud ce matin. Yuri, il est tout le temps chaud. J'adore les séances fessiers. Allez, encore un. Yes. Bravo. Allez, doucement, on se met au sol. Et on repart sur la jambe gauche. Vous avez tous commencé sur la jambe gauche. Bravo, mon chaton. Bravo à toi. Donc les bras bien alignés sous les épaules ou alors sur les avant-bras. Choisissez l'option que vous voulez. Attention, on place bien son genou sous la hanche. Départ dans 2 secondes. Go, on y va. Allez, maintenant vous pouvez accélérer un peu plus si vous voulez. Normalement, la jambe, au bout d'un moment, elle ne peut pas aller plus haut. Il faut vraiment que vous allez chercher cette amplitude maximale pour vraiment sortir le travail au niveau du fessier. Allez. Allez, on est toujours très très bien gainé au niveau du ventre. 3, 2, 1, extension en arrière. Donc on ramène le genou bien devant et on vient bien tendre la jambe au max, aligné toujours avec la hanche. Allez, poussez derrière. Poussez avec votre fessier là. Allez, souffle. Serre tes abdos. Et sourire ton tapis. 2, 1, on plie à 90. Ici, allez, petit mouvement vers le haut. Pense à une chose très importante, c'est à être simplement totalement dans ton corps pour conscientiser. Lâche pas la tension au niveau du fessier, hein. Les genoux restent hauts, vraiment. Attention, changement de jambe droite.
oui, c'est top. On te voit d'ici. Ça fait très gym tonic aussi, hein, ça, hein, ce type de mouvement. C'est vrai qu'on dirait Véro et Davino du lundi, là. Allez, les amis, c'est notre dernier lundi confiné. On donne tout. Extension en arrière. Allez, c'est parti. Sans récupération. Allez, ramène bien. Va chercher bien loin. Au top. La bosse, hein. Il y a les abdos qui sont engagés aussi, hein. Attention, 3, 2, 1, jambes à 90. Allez, c'est parti. Des petits avec le talon là, petit mouvement, fesses contractées au maximum. Alors fais gaffe, le genou au sol doit être bien aligné, pas trop vers l'intérieur. Ah, ça commence à bien chauffer. 2, 1 et on squatte. Allez, de suite. Tout en bas, squat complet, full squat. Allez, tenez bon. Fesses bien en arrière pour être bien sur les talons. J'adore, en fin de mouvement, on a la tête coupée, quoi. Encore. Les fesses. Et c'est bon. Perdre la tête, 30 secondes de récup, les amis. Deuxième tour, deuxième round. J'ai un peu d'eau, moi aussi. Merci. Ah, qu'est-ce que ça donne chez vous? Ah, cool, vous êtes nombreux. Je veux des grosses fesses de Kardashian, il y en a qui disent. Non. Si, on va aller les chercher, ces petites fesses de Kardashian, là. Allez, on se remet en quadripède. Allez, troisième tour. On commence par la gauche sur le côté, maintenant. Allez. Allez, c'est parti. Travaille bien son popotin. Pour être au top dans son bikini cet été. Ah, nos fesses, elles sont pas restées confinées, hein, pendant ce confinement. Aucun non. Aucun non, hein. Athan, elle rentre plus dans ses jeans, tellement qu'elle a pris du galbe. Allez, extension en arrière, c'est bon, parti. Pour le dire, tellement tu as bien cuisiné aussi. Qui a dit que c'était bien d'avoir un mec qui cuisine super bien? Ah, c'est équilibré. Tu diras pas qu'hier soir on s'est envoyé une grosse pizza. Mais si, on peut le dire. Le dimanche soir chez nous c'est pizza. On a des rituels. Faut bien se faire plaisir quand même. Complet. Allez, j'en ai 90. Vous l'avez compris, on n'est pas trop grand chéri d'Inde et épinards. Enfin si, mais... pas que ça. Allez, garde de la hauteur. Allez, souffle. Allez, décolle le plafond. Allez, sens tes fesses là qui bossent. Comment ne pas les sentir? Honnêtement, tout le monde doit être à la brûlure à l'extrême là. Ok, changement, vite, rapide, sans récupération, toujours. Ouverture sur le côté. Je pensais pas que ça donnerait aussi chaud quand même. Ah, la température elle monte, hein, le muscle il chauffe. Allez, allez. Vous allez voir, c'est traite ce genre de séance. C'est vraiment traite, les amis. Vous allez voir demain. Allez, ok, parti. Extension de la jambe en arrière. On ramène le genou plié et on tend la jambe. Le quadriceps doit être bien contracté, cuisse bien contractée, fesses aussi. Abdos aussi, la totale en fait. La totale, hein. Tu serres tout, hein. La séance s'appelle serre les fesses, mais tu serres tout, hein. Tu serres les dents, tu serres le ventre, tu serres les fesses, tu serres les cuisses, tu serres tout ce que tu peux là. Allez. Attention, plié, 90 degrés. Allez. Allez. La fin du troisième tour, les amis.
Allez, allez, des petits pliés là. Allez, la jambe, elle est vraiment bien pliée, hein. C'est important. Tellement gainé que j'ai du mal à parler. Oh, allez. Ah, ça chauffe là. Allez, tiens bon, tiens bon. Attention, 2, 1, squat de suite. Allez. Rapide. Vous trouvez que tout ça, c'est super efficace. Vous allez voir ce soir déjà, vous allez sentir la différence. Pensez à bien vous hydrater la journée. On le dit jamais, mais ça va de soi. On le disait plus au début quand vous aviez des courbatures. Allez, encore. On fait plus 4 secondes vu qu'on a commencé avec 2 secondes de retard. Allez, encore 2. 1. 2. Et on récupère. Super. Moi, je vais ouvrir la fenêtre. 3 tours, les amis. 3 tours. Ça va toujours chez vous. Ça donne chaud hein, de travailler ses fesses comme ça. Hein. Feu aux fesses, hein, on pourrait dire. Feu aux fesses. Hein. C'est horrible. Trop mal aux fesses. Balleur, batte. Allez, on se remet à 4 pattes, les amis. Ça fait bizarre de dire ça comme ça. Bon, ils sont habitués avec nous. Attention, let's go. Côté, on commence par la gauche toujours. Allez, allez là maintenant, vraiment on accélère le rythme. Si vous pouvez vous accélérer, vous allez vraiment chercher un maximum de répétitions. Allez. Accroche-toi. Toi et tes fesses en sont capables. Allez, ouverture le plus haut possible et rapide. Allez, rapide. Tu dois sentir l'extérieur de la fesse qui travaille. Extension de la jambe en arrière. C'est parti. Allez. Toujours avec les abdos super contractés hein, pour protéger le dos. Allez, tiens ça tout le long. Tout le long. Maque et calor. Je vois que vous souriez, donc c'est bon signe. Je sais pas comment il fait, mais... Allez, jambes pliées. Jambes pliées, je vous mets de côté, allez. T'as développé un don de voyance. De clairvoyance derrière le téléphone. Allez, je sens leur énergie jusqu'ici. Allez, rapide. Genoux bien haut. Des petits battements, tonique. Super tonique. Allez, relâche pas la tension, tes fessiers, serre les fesses. On fait que le dire, mais c'est le plus important sur cette séance-là. Attention, changement de jambe, allez. De suite, enchaîne. Allez, le chien qui fait pipi. Je suis en train de repenser à la vidéo de Déborah hier, si vous avez vu sur le groupe. Ah, elle est magique. Elle est magique de chez Magique et je suis en train de l'imaginer déjà. Avoir l'idée de ce mouvement pour une prochaine... Un prochain teaser. Si vous n'avez pas vu la vidéo, on vous invite à aller sur le groupe, elle est géniale. Maintenant, extension de la jambe en arrière. C'est dingue, tout le monde est hyper créatif sur ce groupe. Que ce soit dans les mots, dans les images, dans les tenues. Allez, encore, encore. Encore un effort. Je suis en feu. Mais qu'est Carol ? Qu'est Carol ? Heureusement qu'on n'est pas confiné en plein mois de juillet. Hein. Allez, jambes à 90. Alors, on y va. Vivement le sport dehors. D'ailleurs, pour tous nos élèves, on sait qu'il y en a plusieurs qui sont en live. On vous a envoyé des messages. On reprend les cours particuliers à partir de lundi prochain. En extérieur. En extérieur ou dans le jardin. Mais le jardin c'est dehors. Mais en extérieur chez eux quoi. Yes, yes. Des squats de suite. Allez rapide sur celui-là là. On fera plus 10. Plus 10 on fera. Allez challenge du matin, tu tiens les squats. Ah, pour le challenge, moi j'ai quelque chose de mieux que ça quand même. Ah ouais ? Ah oui, c'est facile pour eux ça maintenant. C'est vrai, vous êtes trop fort. Alors on continue, plus 10. Allez, tenez bon.
Dernier exo. 3, 2, 1. Et le challenge, il est ici. Mettez-vous en sumo squat. Bien ouvert, dos droit. Petit saut pendant 45 secondes. Ah ouais, sur la mine. Et oui, c'est ça. On se finit les fessiers maintenant. Même pas une féroce. Même pas, on les a prévenus. Allez. C'est le dictateur du coach, là. Allez, tiens ça. Sur des ressorts. Je te déteste. Serre les fesses. Ah, allez. Oh, on a fait les squats sautés d'hier. Ah. Allez, encore. Ensemble. Je te déteste, Yuri. Il reste 10 secondes, mes amis. 8, ah. 7, 6, allez, tenez bon. 5, 4, 3, 2, 1, relâchez. Ah. Yes. Ah. C'est encore meilleur quand on s'est pas prévenu. Ah ouais. La surprise, c'est la cerise sur le fessier, celle-là. C'est la cerise sur le fessier. Même pas concerté. Non mais dis donc, on va se plaindre, hein. Bon, comment ça va? Comment va vos fesses, vont vos fesses, pardon? Ouh, en tout cas, je sais pas vous, mais nous on a bien eu chaud. On est en nage, comme d'hab. On se donne à fond. Ah, j'ai mal aux fesses là. J'ai craqué avant, c'est horrible. C'est pas grave, du temps que t'as fait le maximum. Ah, ça fait du bien, hein, travailler sans popotin comme ça dès le lundi matin. Alors là, on aimerait savoir. Bebo a dit, en fait, on ne pourra plus jamais desserrer les fesses. C'est le but. Ah, là, vous pouvez toucher vos fesses, là, d'ailleurs. Vous pouvez sentir, normalement, elles sont bien pas congestionnées. Pas pour les toucher, pour le sentir, je le elles sens. Elles sont congestionnées. Oui, on était curieux de savoir, parmi vous tous, combien de séances vous avez fait depuis le début avec nous et comment vous sentez, peut-être. On est curieux de savoir parce qu'il y en a qui nous ont dit toutes les séances 100%, il y en a qui nous ont dit une trentaine, une quarantaine, une vingtaine. Donc. J'adore les commentaires là. Sylvie, elle a dit elle va aller recoucher ses fesses, elle va les laisser au lit pour qu'elle dorme. Ça sera bien mérité ça. Hein. La cerise sur le fessier a pris feu. Ça fait quoi une cerise caramélisée? Je vois bien le gâteau d'anniversaire comme ça. Fessier cramé. Merci Marie. Allez, bon. Il est radical hein, pour se finir hein, le dernier. Pendant deux jours, je ne pourrais plus m'asseoir. Elodie, elle a fait 15-20 séances. Yes. Bien joué, super. Elodie. Bravo. Carla, elle a fait 98%. Wow. Wow. Céline, machine. 30. Rachel, 46. 46? Con, on est à 49, c'est bien ça. Ah ouais, ça en fait 3 loupés, ouais. Ta mère, c'est notre plus grande fan. Toutes les séances, maman. Ouf, machine. Ma maman, c'est une machine. Caroline, elle en a fait 25 à 30. Bravo, Caroline. Toutes sauf les trois premières, Dominique. Toutes sauf celle du dimanche, Marion. Eh oui, Marion, je sais que tu fais le brunch le dimanche. L'ensemble, plus le stretching, Céline. Con. Oui, Céline, je sais qu'elle est avec nous. Fraise à faire. Ouais, on n'a pas quelques glaçons pour mettre sur les fesses, là. C'est vrai que 30, s'asseoir dans un bac à glaçons, là, ça ferait du bien, ouais. 80% Françoise, 25 Charline, punaise, 47 Michel. En fait, vous êtes servi de ce confinement pour vous construire une forme olympique, quoi. Ouais. Alice, 90%. Marie, elle a fait 100% des séances. Yes. Oh, Joachim, 47 aussi. Waouh, bien Joachim. Bravo. Franchement, les amis, juste manqué 3 des 42 Olivia aussi. Ah, c'est incroyable. Je pensais pas que vous étiez aussi nombreux à en avoir fait autant. Le teaser va être chaud, Débo. Ce qui est sympa, c'est de se rappeler la première séance, comment on était, niveau fatigue, niveau... sur les exercices, comment on se sentait, si on se sentait à l'aise, si c'était très difficile. Et aujourd'hui, comment vous vous sentez? Normalement, il y a une big différence entre le jour où vous avez commencé à faire les séances et aujourd'hui. Et c'est là où on évalue pas mal sa progression. Donc c'est pour ça, des fois, c'est pas mal de revenir en arrière, se rappeler de nos premières séances et de évaluer par rapport à aujourd'hui, où on en est, comment on se sent, la forme qu'on a, qu'est-ce qui a changé peut-être dans notre vie ou... Il y en a plein, Yuri, qui ont fait 100%. Je vois plus de 40 arriver là. On vous voit, hein. On voit toutes vos réponses.
Punaise. Et ouais, vous voyez la différence, on progresse vite, c'est ça qui est encourageant. On progresse vite, il faut garder cette lancée-là. Grave, le corps il s'adapte à une allure, c'est incroyable. C'est vraiment une machine à s'adapter, le corps. On atteint des niveaux ou alors des transformations qu'on n'aurait même pas pu espérer et penser possibles. Tout devient possible avec la... Il n'y a pas de secret, hein. C'est la régularité. La régularité, ça paye vraiment... Pourtant, vous avez vu, on fait quoi, 20 minutes de sport? Mais c'est la régularité qui est importante, parce qu'on pourrait faire qu'une heure à fond par semaine, mais c'est pas pareil. Et imaginez un petit calcul, ce qu'en fait 20, 30, 40, voire presque 50 séances sur l'année, ce que ça représente. Par exemple, ceux qui ont l'habitude de faire du sport, peut-être rien qu'une à deux fois par semaine, ou divisé par le nombre de mois, et ça vous fait pratiquement déjà une séance par semaine sur un an, quoi. Et ouais. 4 fois 12, ouais c'est ça, 4 fois 2, 8, un peu plus. Ça fait presque déjà une séance par semaine sur une année, pour ceux qui ont tout fait. Ah ouais. Mais condensé sur un mois et demi. Condensé en confinement. C'est incroyable. Plus résistante, plus endurante, Nicole. Cool. Alice, elle se sent mieux aussi, mais moi aussi je me sens mieux. Même s'il y a des matins où les cuisses, elles me disent au secours, lâche-moi. Bon les amis, on va se... Non.